Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il y a quelques mois en arrière, on m'a pris pour un gros taré quand j'ai fait quelque chose. En fait, j'avais un groupe privé en ligne, les amis, sur un de mes sites internet. Je fournissais du contenu chaque mois aux gens et ils payaient un abonnement. Alors, ce groupe privé coûtait 100 euros par mois et j'avais 100 personnes donc qui étaient abonnées à 100 euros par mois. Ça m'assurait donc un revenu de 10 000 euros par mois qui est un revenu quand même conséquent. Et ce que j'ai fait il y a quelques mois en arrière, là, j'ai coupé le groupe. Et j'ai annulé l'abonnement des 100 personnes qui étaient abonnées. Alors quand j'ai fait ça, on m'a pris pour un taré, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je l'ai fait. A tout de suite. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, les amis, pourquoi j'ai coupé ce groupe ? Je l'ai coupé tout simplement parce que ça ne me convenait plus. Je sentais que je m'éclatais pas dans ça. Il fallait que je fournisse du contenu chaque semaine en fait aux gens et j'étais rendu esclave du système que moi-même j'avais mis en place. J'étais esclave du système que j'avais mis en place. Du coup, j'étais contraint de faire des choses et des choses qui m'apportaient pas au final un grand bonheur. Donc du coup, j'ai coupé ce groupe et j'ai mis l'aspect bonheur avant l'aspect argent. Et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, vous le voyez par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui j'ai moins d'argent. J'en ai même beaucoup plus parce que j'ai mis en place des choses qui me font vraiment kiffer et ces choses m'apportent aujourd'hui les revenus que je désire, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'aurais pu continuer ça en me disant, mais là j'ai la sécurité, j'ai 10 000 euros par mois avec ces 100 personnes, donc je vais pas couper ça, ça serait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, vous savez quoi les amis, si j'aurais pas fait ça, je serais toujours avec ce groupe, alors ça marcherait toujours peut-être autant, mais le problème c'est que je m'éclaterais pas moi-même. Donc privilégiez toujours votre bonheur, c'est très important. Et je finirai par vous dire une chose, l'argent amplifie votre état actuel, retenez bien ça, l'argent amplifie votre état actuel. Vous êtes dépressif, mettez de l'argent dans la main d'un dépressif, il sera encore plus dépressif. Vous êtes heureux vous-même sans argent, je peux vous assurer qu'avec de l'argent, vous allez justement être beaucoup plus heureux et ça va amplifier votre état actuel. Mais ne pensez pas que aujourd'hui, si vous n'êtes pas heureux par exemple, ne pensez pas que si vous avez de l'argent qui arrive d'un coup dans votre vie, tout va changer. C'est vraiment une grosse erreur que malheureusement beaucoup de gens font. It's a new day for me. Dernière chose, vous savez quoi? Je prends ma caméra là comme ça, comme je suis en train de vous faire là, et j'appuie sur Rec et je commence à parler. Et ça augmente automatiquement mon niveau de bonheur. Il y a des gens des fois qui me disent, mais hey, t'as vu, enfin ça doit te demander un boulot énorme, tu produis pratiquement une vidéo par jour et tout. En plus, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de machin, il n'y a pas forcément de vente dans tes vidéos. Ça m'apporte déjà premièrement de me créer une audience et ça m'apporte aussi un grand niveau de bonheur parce que moi dès que j'appuie sur Rec comme je vous dis et que je commence à parler, bah ça amplifie mon bonheur. Donc du coup c'est des choses que je répète et que je répète. Dès que vous trouvez quelque chose dans votre vie, dès que vous identifiez quelque chose qui augmente votre niveau de bonheur, faites en sorte de le répéter chaque jour si vous le pouvez, parce que c'est ça dans votre vie. Des fois ça peut être des tout petits trucs, de prendre la caméra, d'appuyer sur Rec, bah au final c'est pas un truc énorme et ça je peux le faire tous les jours. D'accord, ça demande du travail, d'accord, ça demande, voilà, il faut être impliqué, il faut avoir une certaine discipline personnelle et se mettre à fond dedans, mais c'est des choses que je peux faire et ces petits trucs au final font la différence sur toute une vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo à un maximum de monde. Quant à moi, je vous dis à demain pour la suite. Ciao ciao les amis. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive.